personnalité de l'année, la presse Radio-Canada. Comment vous prenez ça? Je pense moi, pas qu'on s'y attendait. Non, moi je suis complètement bouleversé, j'avais aucune idée. C'est vraiment inattendu. C'est vraiment quelque assez chose que... même ému, je dirais, quand puis quand ils ont monté, ils ont fait une petite vidéo vraiment incroyable de toutes les fans de différents pays qui nous disaient tout le bien qu'ils pensent du groupe, puis de voir ça, c'était vraiment bien. Mais c'est une des choses que je pense que quand les gens te demandent pensez-vous dans le temps vous rendre à ce point-ci, je pense que c'est une des choses que j'aurais jamais imaginé avoir, c'est la personnalité de la semaine de la presse, de la presse, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer. C'est... Surtout quand tu vois le calibre des autres personnalités, puis tout ce qu'ils ont accompli, puis qu'est-ce qu'ils ont fait. Les gens qui ont avancé la recherche pour le sida, qui ont peut-être un jour créé un cure pour ça, un remède. Alors, de se mettre à côté de ça, c'est vraiment émouvant. C'est quoi la prochaine étape pour Simple Plan, là? Une petite vacance, bien méritée, je pense. On a passé environ un an et demi sur la route autour du monde. On a fait l'Asie, l'Australie, l'Amérique du Sud, toutes chacun deux fois. Alors, on se prend un petit repos. Ensuite de ça, on fait des shows cet été. Et puis, on repart à l'écriture, à l'album numéro 5. Et la roue recommence à tourner. Et puis, le cycle recommence. Exact. La musique, c'est un cycle. Hein? On fait un disque, on le sort, on fait de la promotion pendant un an et demi de temps, on prend un petit repos et puis on recommence. Est-ce que vous prenez le temps quand même d'en profiter? Là? Parce que qu'est-ce qu'on fait pendant son repos? Là? Toi, tu vis en Californie, je pense? Ben je pense que de faire le repos, je pense que pour nous, ce qui est amusant, c'est qu'à cause que la job qu'on a, quand on prend un repos, c'est comme une vacance. Alors, si on se donne quelques mois de vacances, c'est vraiment agréable parce qu'on fait vraiment ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, rien. Je vais jouer au golf. C'est un luxe pour toi, rien faire. C'est ça, moi, comme en vacances. Tu sais, je me réveille le matin, là. Ben là, j'ai un enfant, alors faut que... C'est pas des vraies vacances. Non, c'est moins relaxant, mais je prends le temps d'être un papa, de reprendre le temps qui a été manqué. Comment va l'enfant? Super bien, elle va super bien. Et puis, on joue au golf, je fais du surf. On a découvert une passion qu'on a. Une obsession assez ridicule. Ah oui, hein? Côté golf. Okay. Bon, c'est mal à essayer d'être bon cette année. C'est mal à dire. Chuck, si je te donnais l'occasion de jouer dans n'importe quel pays sur le court de golf rêvé, ça serait où? Ouf. C'est vrai que je regarde ça, mais Pebbles Beach. Pebbles Beach, ouais. Où ça? Pebbles Beach en Californie. C'est apparemment l'un des plus beaux au monde. Pourriez-vous payer ça quand même? On pourrait se le payer, on pourrait faire une petite vacance. Mais j'aimerais ça qu'on aille faire une vacance de golf. On va aller à Palm Springs pour commencer. Palm Springs, c'est pas loin de Los Angeles. Là. C'est un petit endroit où il y a plein de beaux terrains. On va se payer la traite un petit peu. Parce que c'est sûr que nous, il faut en profiter parce que quand on prend des vacances, c'est suivi d'un travail super intensif. Alors, quand on est en vacances, on part ensemble pareil. Ouais. C'est quand vous même êtes vraiment assez spécial. Des amis, là, des. Bon, vous lâchez pas, là. Oh, là, pas tant que ça. Là. Ouais. Non, on est très bons amis. Il est correct. C'est une belle histoire d'amitié avant tout, Simple Plan. Une histoire d'amour. Histoire d'amour. Ça fait longtemps. On a commencé à jouer de la musique ensemble à 13 ans. Ouais. Ça fait. Un amour, une amitié, un amour de. On est comme des frères, dans le fond. Ça fait 20 ans. C'était plus que des amis. C'est de la famille, dans le fond. Qu'on c'est des gens. C'est quelqu'un avec. Ben, le groupe au complet, on est à un point où, même si on a une mauvaise journée, puis on. Tu sais, c'est comme des frères, dans le fond. Des jours que tu peux dire, ouais, j'ai vraiment plus goût de te voir la face. Puis il est gossant, aujourd'hui. Tu me gosses. Ah, mais oui, tu sais hein? que quand même, au fond de toi. Il y a un amour qui va jamais vraiment... Ça arrête tout le temps, tu sais, c'est comme tu peux chicaner, mais tu sais qu'il y a un point où on arrête parce que, tu sais, on peut pas aller plus loin que ça, tu sais. Donc c'est bien, vous rassurez vos fans, Simple Plan n'est pas prêt de se séparer. Non. C'est pas... On se sent quasiment sur une nouvelle lancée, on dirait que ça... Okay. Mais c'est ça qui est spécial, c'est que, tu sais, après tout ce temps-là, c'est pas supposé arriver des choses comme ça, d'avoir des prix comme ça. Pour des groupes comme nous, surtout, des groupes dans le style où on joue, c'est des groupes d'habitude qui arrivent, flash in the pan, ça s'en va. Alors, One Hit Wonder et tout ça. Alors pourquoi pas continuer? Ça motive encore plus, ça donne le goût de voir ce qu'on peut faire pour l'an prochain, puis l'année après, puis de continuer. Puis regarde, rendu là, on veut voir aussi loin qu'on peut aller. T'sais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos fans qui vont vous regarder grâce à RV.TV à travers le monde? Ben, je pense que c'est un gros merci. Nos fans, c'est eux qui permettent de faire tout ce qu'on fait. Dans le fond, c'est la fondation existe seulement à cause de nos fans. Le groupe, c'est à cause de nos fans, notre musique. Notre carrière, c'est grâce à nos fans. On leur doit tout. Exactement. Alors, c'est Simple Plan, dans le fond, c'est quelque chose qui n'existerait jamais sans les fans. C'est impossible. Alors, un gros merci. On vous adore. We love you.
Thank you.